Donc voici une autre vidéo de plantes sauvages appartenant à la famille des composées. Il s'agit de Tragopogon pratensis, le salsifis des prés, en l'occurrence ici la variété violette, barbe de bouc également appelée. Et donc c'est une espèce qui est comestible, qui est surtout réputée pour sa racine. Donc les capitules de 4 à 6 cm de diamètre. Donc ici vous avez un spécimen de salsifis qui a terminé son cycle de floraison. Donc les fleurs sont toutes ligulées et les fruits sont à aigrette. Une seule rangée de bractées longues de 3 à 7 cm et la tige est feuillue. Donc la tige est renflée en haut et les feuilles sont linéaires, étroites, embrassant la tige. On retrouve Tragopogon pratensis principalement dans les prairies, aime les sols argileux, riches en substances nutritives et c'est une espèce très fréquente. Le nom populaire barbe de bouc fait référence à la plante pour ses longs poils, venant du grec tragos signifiant bouc et pogon qui signifie barbe. Elles sont insérées sur l'ovaire en sorte de capitule fanée comme une barbe. Suivant l'espèce, dont celle-ci, la variété violette, les capitules s'ouvrent vers 8 heures et se referment vers 11 ou 14 heures. Donc voilà pour cette vidéo concernant le salsifis des prés. Je vous souhaite une bonne balade.